c'est un pique-nique. Les pelles? Mais elle est là! Ah, coucou! Coucou ma petite bamfette! Bon, voilà, voilà, là pour les présentations. Et ben, la fille sortie du dimanche. Ou comment je vais me prendre encore un 4-0. Attends, c'était un 4 déjà? Je sais plus, un 4 ou 5, enfin je sais plus. Enfin, soit, voilà. Bon, en attendant, pique-nique. Pique-nique, manger. Du bon jambon, de la Schwarzwald. Miam, 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 miam. Allez, hop, on vous prend une fois qu'on a commencé. Zéou. Oh yeah, première cible. Aïe. Oh yeah. Moi je suis resté en haut. La petite dame, elle, est part vers le bas. Mais il y a vraiment de quoi faire. Il y a un sacré terrain de jeu, je peux vous le dire. Il y a un sacré terrain de jeu. Moi pour l'instant, je reste en haut. Enfin. Après que des merdouilles, 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 que des merdouilles. Enfin, enfin une pièce ouille. Et bon, c'est la pièce anti-bredouille, hein, c'est un feeling. Hein, mais bon, c'est au moins de l'anti-bredouille. C'est du feeling en zinc, donc sûrement nazi, c'est-à-dire entre 1936 et 1945. Voilà, voilà. Ok. Ouf. Ben, je n'ai pas entendu crier, donc on devrait être à 1 pour moi. Voilà. Vous voyez la Svastika? Est-ce que vous voyez la Svastika qui est en bas? Un peu en bas de la pièce. Vous la voyez? Il y a une Svastika. Voilà. C'est comme ça qu'on reconnaît les monnaies nazies. Décidément, c'était pas une bonne sortie. Hein. On a pour ainsi dire rien trouvé, à part un seul coin d'ombre au milieu de nulle part, au milieu de l'énorme pré. Regardez, il y avait au milieu il y avait un seul arbre et un seul arbre où il y a plein de bonnes cerises, regardez. Ah, on est en train de faire de la rapine. Ah, de la rapine. Ah, nous sommes des rapineurs. Ah, attention, merde, elle est tombée. Merde, elle est où? Merde, elle est là. Elle est là. Ah oui. Ah non, elle était bouffée celle-là. Hop là. Et voilà, ce qui fait qu'on. On n'a pas peur de haut change, hein. Voilà, on n'a peut-être pas de. On a peut-être pas plein de monnaie, mais on a un seau plein de bonnes cerises, hein, madame. Miam, 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 un seau plein de bonnes cerises. Miam, 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 miam. Miam, 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 le bon clavoutis qu'on va se faire. Ok, bon ben on va. Hein, c'était vraiment pas une bonne sortie aujourd'hui. Hein. Ah ma petite dame, c'était pas terrible. Hein. Ah, plein de cerises. Ah voilà, on a plein de cerises. Hein. On a les doigts bien rouges, mais on a des cerises. Et voilà, donc on va dire que le saut a gagné. Hein. Ouais. Voilà, le saut de cerise a gagné. Nous, zéro. Oula, on y va. Hop là. Bon alors, le résultat, comme dit, hein, on part toujours sur la base d'une heure. Alors madame, elle a trouvé un gros morceau de plomb, une balle de chasse lette, un éclat de but, une balle allemande de Première Guerre mondiale, de 1895, un petit médaillon, mais je pense que c'est de la pacotille,
la pacotille, on voit avoir un écureuil dessus, je sais pas quoi, enfin un truc. Bizarre, quoi. C'est écrit hippie, oh, papa, je sais pas quoi. Hippie. Hippie, voilà. Bon. Un anneau, et puis un truc, là, voilà, bof. Voilà. Et moi, c'est pas mieux, hein. Moi, c'est pas mieux, parce que apparemment là, ça a dû appartenir à hein. Un abat-jour. Le fer à mule. Une cuillère, et ça c'est. Apparemment c'est distribué le tabac. Ça, c'est un rasoir, alors je sais pas s'il est civil ou s'il est militaire, alors il n'y a que les spécialistes qui pourraient me répondre à ça. Un bidule, une 12-7, un bout de plomb, et. Ah ouais, il y a ça. Bon, une connerie, hein. C'est écrit dessus, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? C'est écrit favori, dépose. Bon, voilà, c'est à l'envers, voilà. Favori, déposé, c'est 36. Là, et la monnaie, c'est un petit fening. Halem. Un petit fening nazi. Alors, je sais pas si vous voyez bien, bon, moi, on les connaît par cœur ces monnaies, donc on les repère tout de suite. Donc, vous voyez bien le 1 au milieu. Elle écrit dans ce sens là, voilà. Autour c'est écrit Reich Fening, Reich. Et derrière on a l'aigle avec la croix gammée, la Svastika, qui est juste au-dessus de mon pouce, vous voyez là. Je sais pas si vous voyez, j'arrive pas à faire de la macro avec ce téléphone. Donc il y a l'aigle et il y a la Svastika. Voilà. La monnaie en zinc, donc elle est très très abîmée, même en frottant avec une brosse à dents. Vous l'abîmez, hein, c'est vraiment merdique ce genre de monnaie. C'est merdique, hein, c'est normal, hein, c'est des monnaies nazies, donc forcément, c'est merdique. Allez, bon, sur ce, on a au moins fait un saut de cerise. Allô. Eh bien, merci de nous suivre. Contrairement à nous, on vous souhaite plein de bonnes trouvailles. Et madame va finir. Bah, fine et gros bisous. Et voilà, ciao. Hey, bonjour mes petites cigognes. Alors, on est venu jacasser? Ah, nos charmantes cigognes. C'est pas belle? Bon, je me rapproche pas plus parce qu'elles vont se voler, ce serait un peu con. Enfin bon, venez chez nous si vous voulez en voir. Il y en a partout. Alors, vous n'êtes pas d'accord mes cigognes? Bon, arrêtez de jacasser, là on a compris, arrêtez. Bon les filles, vous devenez lourdes là quand même, hein. C'était vraiment pas une bonne sortie. Avec la chaleur, on s'en azérotit. Y'a même pas à pousser, mémé dans les orties. Mais y'avait vraiment que dalle dans cette prairie. On s'en fiche, on a pris l'air. Et ça encourage à en faire. Et d'ailleurs, on va se reprendre un verre. Un verre de quoi? Un verre à meux. Je sors.